À tous et salut Pauline, comment vas-tu Salut et eh ben écoute euh, j'ai la pêche. <laughs> ah ben, nickel alors c'est à la pêche on l'a tous les deux. Euh, salut à tous, salut Katie Digit, ah de retrouver à toi, Bah ben, c'est gentil, euh, content de te retrouver aussi. Euh, salut euh, ben Alexandre, Alexandre bien sûr, salut Alexandre. <laughs> salut Thierry, Thierry pardon. Euh, donc aujourd'hui encore un nouveau live sur la chaîne de de France donc euh, ce n'est pas moi aujourd'hui qui vais vous expliquer ce que, ce que l'on va réaliser aujourd'hui, c'est plutôt <laughs> ma camarade, <laughs> parce que c'est elle qui va me lancer un petit défi. Donc aujourd'hui, ça va être freestyle. <laughs> Alors, dans quoi je t'ai entraînée, je ne sais pas trop. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, euh, lundi dernier, pour être précis, fait, euh, on a fait un live avec Franck, où euh, en fait, comment vous résumez ça Vous savez que j'ai mmh. toujours plein de questions existentielles. Et en fait, euh, du coup, maintenant, je prends un malin plaisir à entraîner les autres dans mes questions existentielles et à est ce qu'ils m'aident quelque part. Et donc, la semaine dernière, on a fait un live avec Franck qui était dédié à la vidéo, donc euh, des rushs. Euh, il a répondu à des millions de questions sur Première. Et c'était hyper cool. Et à la fin, il m'a dit, euh, là, t'as encore plein d'idées. C'est euh, vraiment du VFX. Pourquoi tu ne ferais pas un live avec Atom là-dessus Donc, euh, voilà. On s'est retrouvés comme ça ici. Et donc, je t'ai envoyé mes rushs. Je t'ai envoyé des trucs avec des bouts d'idées à côté. Et l'idée, c'est de voir euh, bah, que tu nous expliques comment euh, on arrive à en faire des trucs. Ok, cool. Eh ben, écoutez, pourquoi pas Ça peut être intéressant ça. Et je pense que ça peut être pas mal de pas avoir quelque chose de préparé. Et de surtout voir comment, en me donnant un rush, eh ben, je peux me débrouiller euh, pour faire euh, ce qu'on m'impose. Et un rush, je précise... Euh, un Peu tout péter parce que moi je suis surtout photographe avant d'être vidéaste, donc euh, <laughs> comme ça tu vas aussi pouvoir nous expliquer bah, ce qui va pas, quelle erreur euh, il faut pas faire. Parce que c'est vrai que finalement on doit toujours euh, faire des trucs hyper aboutis direct, mais nous dans l'expérience on se retrouve vite à se casser les dents en fait quand on le fait tout seul et euh, des fois c'est juste parce que la base elle est pas bonne. Donc euh, mmh. je pense que ça peut être cool que tu nous expliques aussi euh, surtout carrément sur la surtout prise que... de vue, toutes les erreurs. ouais. Ouais, surtout qu'en VFX, euh, beaucoup de choses se passent sur l'ordinateur, mais c'est très, 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 très important la prise de vue. Extrêmement important. Et c'est pour ça que sur les tournages, il y a des superviseurs FX. Donc, c'est des personnes qui font partie des boîtes d'effets spéciaux, par exemple, sur lesquelles ils vont travailler les plans. Et ces superviseurs viennent sur les tournages et, et disent genre... Euh « Ah, donc vous voulez faire un truc comme ça, la caméra va bouger comme ça Alors vu la technique que nous on va faire il faudrait réadapter comme ça, faire ce réglage là cette lumière là euh, ce fond vert là donc c'est quand même ça marche comme ça quoi. Le tournage et les effets spéciaux c'est vraiment comme ça et ouais, euh... trop cool. parce que bah oui on a eu ce débat là déjà la semaine dernière de euh, quand le réalisateur fait un truc et euh, qui dit ouais c'est bon on rattrapera en post-production. <laughs> <laughs> la fameuse phrase la fameuse phrase. Non, mais ce qui fait rire aussi c'est que euh, parfois si vous regardez des making of ou des breakdowns de, euh, de films euh, hollywoodiens vous voyez des espèces de grands fonds verts avec des personnes qui courent dessus et tout et bien presque des trois quarts du temps ces fonds verts ils servent presque à rien parce qu'au final les artistes ils vont devoir quand même faire de leur rotoscopie à la main donc euh, okay. euh, on, se, on se voit un peu de la gueule des, des artistes fx ah. on, on a mis des fonds verts mais c'est ah, ouais. voilà, c'est pour rire quoi, un petit peu ça, ouais, dans quoi. certains cas ça sert mais euh, pas mal de cas, parfois il faut faire de la rotoscopie à la main dans tous les cas. Ouais, de toute façon, il faut tout faire. Bah, surtout sur un truc qui va être sur écran géant et tout, j'imagine qu'il faut vraiment ouais. aller aller le détail. Quoi. Donc du dire. coup, n'hésitez bah, pas si vous avez des questions euh, sur ce thème-là. Vraiment, c'est pour rendre le truc hyper accessible en fait. Parce que, euh, ouais, que c'est super cool qu'on vous montre des techniques de ouf, mais parfois on ne sait même pas comment commencer. quoi. Exactement. Alors, euh, mmh. voilà. tu as déjà fait toi une vidéo là-dessus, sur euh, comment préparer bien ces... ces... C'est rushs, comment préparer le tournage et tout pour les VFX euh, J'ai dû aborder ça quelquefois euh, en info à droite à gauche dans des vidéos à moi, mais euh, j'ai donné des cours dans une école il y, a, il y a trois jours, là, et ça a été exactement ce que je leur ai appris pendant trois jours. Donc, euh... Ah bah trop bien, c'est bien rodé. Donc c'est une extension au final, euh, aujourd'hui c'est mon quatrième jour de trop cours. Cool. <laughs> donc euh, c'est cool, cool. Eh bien écoutez, euh, c'est quelle heure là Eh bien on va commencer parce qu'on va pas chômer, euh, donc je propose qu'on bascule sur mon écran et, euh, et ah. c'est parti. Euh, okay. Donc, euh, juste avant de commencer, je voulais vous montrer euh, le dernier plan que, sur lequel j'ai travaillé. Là, euh, juste pour, on, on parlait de fond vert, donc je vais juste vous montrer ça. Ça peut peut-être intéresser, puis c'est un petit, un petit avant-goût. Donc, en fait, il euh, y a le nouveau jeu Cyberpunk 2077 qui est sorti. Et, euh, et en gros, je me suis incrusté sur fond vert, sur un environnement 3D. Euh, donc, encore une fois, c'est du fond vert, là. Mais c'était galère. Et, euh, et j'ai terminé le deuxième plan ce matin, oh, où c'est un cool. petit peu plus close-up où je suis un peu un robot. Ah, c'est cool, hein <laughs> Merci. Donc voilà, c'était juste un petit, un petit truc pour faire. Voilà. Bon, nous sommes dans coup, After Effects. Oui Attends, as matché toutes les lights et tout à la prise de vue, du coup. Euh, ouais, c'est ça qui est le plus important. Du coup, bah, là, du coup, on en revient au, au tournage. Je vais juste rouvrir le ouais, feuillet, ouais, parce que c'est intéressant. Euh, c'est là. Euh, du coup, oui, c'est surtout pour... Alors, je suis un peu organisé, donc j'essaye de... Non, c'est pas du tout là. Alors, tiens, je vais en profiter pour faire des bisous à tout le monde dans le chat. Bonjour à Raphaël. Oui, alors, euh, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais elle a fait une session avec nous, Raphaël, mon voisin. C'était tellement cool sur euh, des photos en Islande. Donc, on lui fait des bisous. Euh, bonjour à Greg, Jamila, Delphine, Alexandre, bah, Virginie, Franck, tous les noms habituels. Hein. Euh, Joël, <laughs> Thierry. Euh, bah, merci d'être là. Et puis, vraiment, n'hésitez pas quoi, si vous avez des questions. Euh... Si vous avez envie de mettre des à Atom aussi. Si, je... si vous voyez des trucs, c'est sur les rushs et que vous avez l'idée de. Ouais. Ah tiens, on pourrait rajouter ça. N'hésitez pas. C'est le but de la session. Il va y avoir des rajouts, des explosions partout, des dragons en 3D. Non, on va se calmer. <laughs> mais, euh, mais oui, du coup, pour reprendre sur ce shot là, euh, en fait, sur le tournage, du coup, je suis sur un fond vert. Je vais vous montrer. Ouais. Et ce qui est marrant, en fait, avec euh, avec ces techniques là. C'est que euh, on peut vraiment tricher un mouvement de caméra par exemple là on dirait vraiment que la caméra elle bouge et qu'il y a un petit mouvement de rotation ouais, on le ressent et ben en fait le plan de base il est comme ça c'est juste ah, moi devant ouais. un fond vert et en gros euh, j'ai mimé voilà vous voyez qu'ici, il y a euh, mon ami avec une une light en tube qui m'éclaire qui a un petit preset euh, voiture de police et du coup, qui m'éclaire pour faire genre, oh, il y a une voiture volante qui passe et oh non, il vient de m'attraper. Euh, et en gros, donc, euh, cet export qui est ici, euh, j'ai utilisé une caméra 3D sur Cinema 4D avec une focale de 80 mm à peu près. Et j'ai bougé la caméra sur euh, un, un objet qui était à peu près à la même distance que mon visage. Et j'ai fait tourner la caméra. Et comme la focale est très longue, c'est connu. Euh, si on tourne autour de notre sujet, le fond il va se déplacer beaucoup plus rapidement que mon euh, sujet qui est devant moi, donc mon sujet devant moi va presque rester identique euh, immobile, mais mon fond va tourner et c'est comme ça qu'on arrive à créer un mouvement un peu de rotation euh, en chitant mmh. un peu bon le fond vert n'est pas très clean parce que j'avoue qu'on a tourné ça comme un peu des des schlags, comme on pourrait le dire ouais mais de euh... toute façon l'œil il est attiré par la partie la plus claire de l'image donc de toute façon hyper voilà. focus sur ton visage c'est vrai que ça c'est ça disons qu'en bougeant la tête comme ça ça passe donc du coup toi pour faire un effet comme ça tu conseillerais en fait de mettre une caméra sur un pied et après de faire le mouvement de cam après quoi exactement donc pour ce plan là mais par contre pour, pour le premier plan où je me déplace dans l'espace euh, le tout premier plan alors ça c'est ça encore notre test mais là par exemple voilà, ici, là, c'est mon ami qui carrément bougeait la caméra. Tu vois, c'est pas sur trépied. Ouais. Et il y a mon fond vert. Et en gros, euh, moi, euh, ensuite, j'ai fait un tracking dans After Effects, euh, le 3D Camera Tracker, pour qu'il analyse les points. Et ensuite, euh, j'ai exporté ma caméra 3D vers Cinema 4D et j'ai construit un peu ma scène autour pour avoir du coup ce résultat-là. Ok, ici. trop cool. Tac. Et là, maintenant, après. On a le vrai mouvement de caméra, mais une fausse scène. Quoi. Et c'est ce qui donne un peu cet effet aussi très réaliste, parce que un mouvement de caméra fait à la main est très organique. Quoi. Ouais. Et c'est très difficilement reproductible en 3D. Donc euh, là, au moins, ben voilà on a notre ah, cool. mouvement. Bon, du coup, rien qu'avec ce que tu viens d'expliquer, je vois déjà tous les problèmes qu'il va y avoir sur mes rushs à moi. Ah, <laughs> c'est bon, tu vois. Mais on va galérer, ça va être galère de bosser un peu sur tes plans, donc on va voir. Je pense que ça va être galère et ça va être. Ouais. Ça va être marrant. Ouais. Euh, J'essaie de regarder le chat un petit peu. Arnaud, euh, Atom, c'est quoi ton plug pour avoir des dossiers de couleurs sur Windows Alors, c'était un, un, un logiciel qui s'appelle Folder, Folder Colorizer ou un truc comme ça. Et en gros, on peut faire des clics droits comme ça. Et ça, c'est très bien pour s'organiser. Voilà, Colorize, il s'appelle Colorize. Et je peux choisir, par exemple, bah, celui-là, il va être turquoise. Et en gros, mon dossier ici, il va passer en turquoise. Donc ça, c'est cool. Trop bien. C bah, je vais la, poser la même question en plus, donc comme ça, double réponse. Ah ben bah voilà. Euh, j'ai une question tu fais quoi de tes rushs quand tu as fini Tu les effaces Alors, euh, je suis quelqu'un qui euh, qui travaille de manière très destructive, euh, mais depuis peu, je stocke tout, donc je sauvegarde tout. Mais avant, j'avoue que j'ai supprimé tout, ce qui ne faut pas faire du tout. Euh, mais voilà, maintenant j'arrive à m'organiser et faire quelque chose d'un peu plus propre dans mon organisation. Euh, du coup alors j'ai juste ça que je vais placer ici voilà et du coup on va commencer avec ton premier rush euh, que je vois il y a marqué lévitation euh, ah oui alors en fait <rire> voilà <rire> <rire> tu vas, je pense que tu vas sûrement te marrer okay. euh, moi j'ai fait ça comme si c'était une photo et je sais que quand c'est une photo tu fais la photo avec le mec sur un truc. Donc là, on a ramené mmh. la poubelle de chez moi. Mmh. On, on lui ouais. a fait faire un tour, c'était cool. Et j'ai fait du coup un plan où il n'y a rien, où il n'y a personne, en me disant, il y a juste à gommer la poubelle. Ça, c'est la technique photo. Je ne sais pas du tout en vidéo si c'est si mmh. ça. Mais en gros, euh, voilà. Ouais. Euh, alors, en fait, déjà là, je vais t'expliquer tous les problèmes qu'il y a sur ce plan-là quand on bosse en vidéo. <laughs> Euh, et il y en a pas mal <laughs> euh, mais du coup la semaine prochaine c'est ça toi et moi on se refait une session où on fait pareil à peu près c'est ça bah écoute euh, ouais peut-être que je peux même aller tourner des plans en ayant appris de mes erreurs tu vois ça et, et c'est cool. là et c'est là que j'allais dire que ça peut être intéressant ouais, quand tu même. vois donc euh, voilà, donc ça va être cool. Euh, du coup, je vais t'expliquer un petit peu tous les plans, comme ça la semaine prochaine que tu m'enverras des plans un peu plus propres. Euh, <laughs> mais pour les photos, c'est clair que ça suffit large parce que là, euh, on peut faire facilement de la roto Mais bah, par exemple, oui, carrément, c'est super simple. Bah ouais, carrément. Du coup, en fait, en vidéo déjà, euh, là, ce qui poserait problème, c'est que déjà, il bon, y a l'autofocus activé. Ça, il faut jamais en vidéo quand on fait des effets spéciaux parce que maintenant, bah, par exemple, c'est ouais, flou. Celui-là vraiment, une m'influe dedans. Ouais. <laughs> et, euh, et là, on peut voir que, par exemple, il ben, n'y a pas beaucoup de... Tu filmes avec quoi euh, Je filme avec... Alors, j'ai un Sony A7R3. Ok. Et j'ai un Tamron euh, 24-70 à 2,8. Ok, d'accord. Parce que du coup, euh, on voit que quand même, c'est très sombre. Et que du coup, imaginons quand ça passe en flou, regarde ouais. comment sur les contours c'est plus net du tout tu vois ça, ouais. ça fait comme des du noyau du grain et, et ça en gros ça veut dire que soit tes iso sont trop hauts ce que je pense qui est le cas euh, après je t'ai envoyé le... aussi un truc un peu compressé ok d'accord donc tu vois. Euh, ça doit ouais. mais déjà c'est du mpeg aussi. quand, quand j'ai ouvert oui, le mpeg j'ai fait quoi qui utilise bah, le mpeg mais en le... 2020 <rire> oui <rire> du coup j'ai dû t'envoyer un truc ouais Ouais, Mpeg, je crois que c'est un des pires fichiers vidéo, genre c'est c'est le pire truc. Donc euh, le meilleur je pense c'est le point Mof, tu vois. Euh... Ça, trop bien. <laughs> euh, et c'est un truc qui sort c'est un truc qui sort de ta caméra ça le Mpeg Non non, pas du tout, euh, ah. j'ai filmé ça en je sais pas quoi. Euh... Non non, j'ai filmé ça en 4K, euh, bon, tu vois. Euh... Non, en oh, fait, j'ai les rushs et tout. t'ai juste envoyé ça pour euh, que ça passe en fait. Euh, sinon, comment comment envoies 50 gigas de fichiers sinon, tu vois ah oui, ils étaient aussi lourds que ça. Ben euh, bah écoute, es sur Montpellier, ben bah moi aussi, alors on peut se défiler sur un disque dur. <laughs> mais, euh, mais du coup, ouais, donc ça déjà, euh, on sent qu'il y a beaucoup de compression. Et ça, ça n'aide pas du tout pour les effets spéciaux, vraiment, vraiment pas. Euh, donc on va voir comment on se débrouiller. Euh, <laughs> ensuite, <laughs> c'est chaud, hein très chaud. Euh, regarde là, du... genre, même mon After Effects, il en chie pour, pour les ouvrir. Genre regarde, il tourne là. C'est okay. pas dingue hein. là, genre la limite, il va cracher quoi. Ouais, voilà, tu vois, ça crache. Parce je que vraiment, le MPEG sont des, euh, des fichiers vidéo pas fou. Euh, oh, s... enfin, ouais. En fait, ça me fait marrer parce que j'ai fait tellement d'erreurs, alors que j'ai l'impression de faire des live Adobe tous les jours, tu vois. Donc euh, <laughs> c'est cool. On a... <laughs> ah non, mais après c'est des choses. Quand on fait des effets spéciaux, par exemple, il faut il faut vraiment. C'est Je vais je vais t'expliquer après d'autres choses. Ouais, mais as euh, mais tu vois, alors, tu vois. Je vais te montrer aussi un autre truc parce que je sais que tu m'as demandé, enfin, tu m'as demandé, tu m'as mis comme contrainte sur ta, certains effets de par exemple rajouter des yeux blancs. Oui. Voilà, tu vas voir les yeux blancs. Parce que celui-là, par exemple, tu l'as fait sur, ton, sur la vidéo que tu viens de nous montrer. Et, tu vois. et oui, et oui, et c'est pour ça, ça va être intéressant de te montrer euh, la différence entre mon rush et ton rush, tu vas voir, en termes de luminosité. Ouais. C'est surtout la luminosité là. Il euh, y a un outil euh, plutôt cool dans After Effects, c'est l'outil d'exposition ici. Et en gros, ça change l'exposition de notre viewport sans changer l'exposition de nos vidéos ni rien. Et en gros, si notre vidéo était cool pour bosser des euh, effets spéciaux, quand je vais augmenter mon exposition, on devrait avoir le détail des pieds. Par exemple, faire enfin, la rotoscopie, parce ouais. que là, regarde, là c'est noir, tu vois. Ouais. Euh, là, si je prends mon, euh, mon petit info, ça c'est un petit panel qui a un After Effects, et que je passe la souris, le noir il a 0%. C'est genre, normalement c'est impossible d'avoir du 0%, euh, genre le 0% est interdit normalement <laughs> en vidéo. <laughs> et du coup là, ben, 0, 1, un petit peu. Donc voilà, là on sait que c'est pas du log en tout cas. Euh, mais en tout cas, regarde, si j'augmente l'exposition, regarde comme on n'arrive même pas à voilà, choper l'information des pieds. Noir. Voilà, sauf quand je monte dans les extrêmes, et là tu vois que c'est bloqué, c'est... Regarde. Ça, c'est la bien. compression là. Ça, c est, c est okay. Impeg. Ça, c'est. peg. Bon, déjà, mon truc de base, il part mal. Ok. Euh, voilà, après, je, c'est pas peut-être ton fichier de base sortant de ta caméra. Oui, et bon... je... voilà. Non, non, je pense que je suis sortie de caméra, ça va. Après, je pense que je l'ai exposé comme une photographe. Oui, voilà aussi. Donc, sans doute que tu as réfléchi en tant que photographe. C'est clair que c'est deux réflexions différentes, la vidéo et la photo, hein, de toute manière. Euh, mais du coup, oui, donc ça déjà, pour par exemple faire la rotoscopie de nos pieds, ça va être affreux. Euh, moi, je voulais utiliser le RotoBrush 2 là pour euh, pour faire l'effet de lévitation. Alors, moi, comment j'aurais fait cet effet de lévitation C'est que j'aurais fait le RotoBrush. Je vais vous montrer. Donc là, en plus, tu as fait quand même quelque chose de bien, mais que du coup, on fait aussi en photo. C'est que tu as fait le fameux Clean Plate ici. Ouais. Donc ça veut dire que tu as laissé du blanc pour euh, euh, faire ça. Donc ça, c'est cool. Je peux m'arrêter par exemple là. Hop. Et euh, prendre ça comme clean plate. Voilà. Donc ça je peux le prendre et dire que c'est le clean. Donc je vais le renommé clean. Et ça, donc euh, l'évitation. Et en gros, comment j'aurais fait cet effet de l'évitation? Euh, c'est que là, bah, du coup, petit rotobrush 2. Donc imaginons ton effet de rotation, il est ouais par là et jusqu'à bon, jusqu'à là et je mets n pour end la fin de la composition et je fais trim to comp et euh, ensuite maintenant du coup il me reste plus qu'à prendre rotobrush et passer ici et utiliser la magie du rotobrush en plus ça va être super bien parce que là c'est ah, en ouais. contre jour ouais. donc euh, c'est comme la baguette magique sur euh, sur photoshop mais en version vidéo et, euh, et ça, c'est très pratique. Donc, j'aurais pu faire comme ça. J'aurais pu euh, donc faire « Best » et faire « Play ». Et là, automatiquement, il va faire la rotoscopie. Mais c'est tellement contrasté que je peux limiter… Du coup, il n'a plus de pied, c'est rigolo. Comment Il n'a plus de pied, c'est rigolo. Ah Mais du coup, là, je peux prendre mon level et faire en fait un mat de, de la personne qui, qui essaye de limiter là. Et en gros comme c'est très sombre, je peux arriver limite à faire une rotoscopie, limite automatique, tu vois. Ouais. Et après, j'aurais juste à prendre mon calque qui est ici, le passer en luma inversé. Et voilà, donc maintenant je peux j'ai ma silhouette comme ça et je peux la bouger en prenant par exemple un masque ici tout autour. Là, forcément, il n'y a pas d'infos sur tes pieds. faut ouais, détourner un peu, ouais. okay. Donc on aurait dû détourer comme ça, donc je sais pas s'il si bouge mais bon. Là, Encore une fois, c'est pas pour faire un résultat final parce que c'est galère. Hein. Euh, et j'y passerais là vraiment pour faire ce shot là avec ce stock shot là, enfin avec ce rush là, euh, il, il me faudrait au moins euh, pff, deux, trois heures de travail quoi. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ouais c'est super lent parce que okay. là il y a trop de choses. Ah encore, ça va, il bouge pas trop les pieds donc limite là ouais, il peut ouais. ça peut le faire, tu vois déjà. Ah, c'est étrange, c'est hein, rigolo. Et est-ce que par exemple prendre euh, au lieu de prendre la poubelle de chez moi, mmh. on aurait mis un truc vert dessus par exemple, ça aurait aidé même s'il avait du vert La couleur on l'aurait même pas vu en fait Parce que c'est trop sombre Ok donc mieux exposé. Ouais l'exposition C'est le plus important pour le coup Mais là au moins tu vois J'ai mes petits détails ici de ça Mais voilà je pense que c'est comme ça que j'aurais fait Limite on peut lui faire faire une animation En mode je m'envole C'est incroyable C'est c'est char! C'est drôle. Ah, drôle. Bon. Mais, euh, bon. mais voilà. Drôle. <laughs> voilà. Du Trop coup, bien. je pense que je pourrais, je pourrais pas faire mieux avec un, un stock comme ça. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, la technique serait de soif utiliser Rotobrush 2. Mais vu comment tu as exposé ta vidéo, juste comme j'ai fait la petite technique de maths ouais. en Luma, ça permet d'isoler facilement le background et euh, le foreground. Ok, bon. et eh ben écoute, voilà. trop bien. Sur ce plan-là, euh... c'est comme ça que j'aurais fait. <laughs> bon, je regarde si on a des questions. Ouais, allez-y. Ouais. <laughs> Alexandre dit Vous prenez des notes. Moi, je prends des notes. Voilà. <laughs> euh, Joël dit Du blanc, à la limite, on aurait peut-être pu voir un petit peu la poubelle. Oui, ça aurait peut être la poubelle en blanche si on l'aurait plus facilement. Peut-être, euh... peut peut-être. Euh... <laughs> Joël dit On voit Atom se dire il y a tellement de trucs qui vont pas par où je commence. <laughs> C'est à peu près ça. <laughs> C'est hyper. En fait, euh, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat Je sais que vous êtes là parce que vous connaissez Atom et que sûrement, vous aimez bien les VFX. Mais en fait, il y a un truc hyper euh, impressionnant euh, quand on débute. En fait, on ne sait pas trop par où s'attaquer. Donc ah, est... Non, il est à l'envers. <laughs> C'est marrant. <laughs> mais, euh, mais, ouais, mais sur ce plan-là, voilà, c'est comme ça que j'aurais fait. Mais ce, tous les problèmes que je viens d'énoncer là, c'est à peu près tous les problèmes qu'on va retrouver euh, surtout, ouais. sur tous les autres. Ouais. C'est surtout l'exposition de nos fichiers, et c'est très important. Euh, euh, ouh <laughs> <Wow> <laughs> Au revoir. Ah mais oui, du coup, euh, tu peux largement euh, largement le prendre comme ça et voilà, euh... oh c'est la rotation. Mais oui, c'est vrai que je peux le prendre et euh, en faire ce que je veux. Donc là, j'ai juste à prendre les deux positions, les décaler ici. Et maintenant j'en ai deux, quoi. Et je peux les décaler dans le temps pour faire genre qu'ils ne sont pas au même moment. De euh, la position et tout ça. Mais, euh, mais ouais. Trop bien. <laughs> Wouh ouais <laughs> au revoir je fais les <laughs> moi aussi j'adore à chaque fois que je fais les effets spéciaux oh, je fais les bruitages déjà oh, 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 oh. Ouais, incroyable euh, donc ouais ok bon par contre du coup la clean plate euh, ça c'est vraiment euh... donc ouais le clean plate dans les effets spéciaux surtout quand bon. on veut euh, on veut faire quelqu'un qui s'envole ou qui disparaît c'est très important de faire Et le du clean coup, plate il faut le faire euh, en fait je j'ai pas pensé mais il faut le faire de la longueur au moins de la scène qu'on veut euh... Voilà, exactement. Et, euh, et euh, non, c'est ça. On, on doit Le, le sujet doit s'en aller derrière la caméra. Et quand ouais. la caméra elle, bouge, c'est un peu euh, la session euh, de la cape d'invisibilité d'Harry Potter, tu te rappelles ouais. euh, ben, Pour ça, tu te rappelles, j'avais dû faire de la projection de texture et tout. Quand on bouge une caméra, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué parce que forcément, les perspectives, elles changent. Là, c'est juste un plan fixe. Donc, euh, c'est un jeu d'enfant, vraiment. C'est tranquille. Mais dès que là, la caméra elle bouge, forcément, il y a tout qui, tout qui évolue comme ça. Donc, c'est super ouais. dur. Bah après là, tu vois, la caméra elle bouge. Si la caméra bougeait, ça aurait peut-être pas été trop compliqué à effacer non plus comme l'arrière-plan. Non, mais pas très compliqué, donc euh, ça va. C'est ça, ouais. Mais quand la caméra elle bouge sur place, ça va. Mais quand c'est la caméra qui bouge dans l'espace, c'est différent là, par contre, tu vois. Okay. Là, ça devient un peu plus euh, taquin, on va ouais. dire. Et euh, bien, donc ça tombe oui. bien. Oui. Le seul plan que j'ai mis sur mon trépied. <laughs> bon, ah ouais, ouais, c'est vrai qu'après le reste ça bouge donc c'est incroyable. Donc en plus du, du rush de base, maintenant le rush de base il va bouger. Ça Alors. va être tant max. Oui. <laughs> donc euh, ok, donc maintenant, donc lévitation. Allez, le, le deuxième, yeux blancs. Alors, ah, dit elle dit qu'elle prend plein de notes et euh, ah. on me dit très intéressant ce live. Merci, eh ben, merci Franck. On essaye des trucs. On expérimente vraiment en direct. Donc, vraiment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager. Et puis, euh, vraiment, euh, ouais, Chimique Pro dit qu'il prend plein de notes aussi. Vraiment, ah bah n'hésitez pas si vous avez des, des questions. Et si vous avez des challenges aussi, hein, dites à mais ce tu peux rajouter sur mes plans qui sont déjà un challenge en eux-mêmes, je crois. Hein. <rire> <rire> bah, là, tu vois, par exemple, sur ce shot des euh, yeux blancs. Ouais. Euh, si imaginant, je vais réimporter, moi, euh, celui que tu as dit, le stock shot euh, le shot pardon euh, de moi sur mon truc cyberpunk, là. Donc si je vais dans mes affixes, dans mes assets, Rush, et que je prends, je vais te montrer un peu l'exposition, comment c'est très ouais, important. Vraiment. Là, déjà, tous tes plans sont contre-jour presque. Donc, vraiment, joli, genre là, les... <laughs> les... Oui, ah, ouais, c'est clair. <laughs> Mais du coup, là, tu réfléchis comme une photographe. Oui. C'est super beau. Tu vois. <laughs> Mais là, j'aurais été en vidéo. Qu'est-ce que j'aurais fait Petit réflecteur devant pour lui rééclairer sa gueule. Okay. Euh, pour euh, pour qu'on puisse au moins avoir un petit peu des informations sur les yeux. Quoi. Parce que là, tu vas voir. Donc là, imaginons, je veux, je veux rajouter <laughs> et... les yeux blancs. Tu okay. vois Donc là, forcément, il faut que je fasse du tracking sur les yeux blancs pour que ouais, puis je puisse me raccrocher oeil, à quelque en fait. chose. On voit même pas son œil. C'est ça le problème. Et, et la valeur de noir, le problème, c'est qu'elle est vraiment à à 100% si j'en suis sûr, ouais. elle est à zéro, euh, 100% de noir. Et le truc, c'est que regarde. Donc imaginons, cet œil là, je veux le faire blanc. Bah déjà, c'est inutile parce que déjà le plan est noir. Donc je, ça s'arrête de faire blanc parce que ça serait juste un œil blanc noir. Genre un blanc ne, ne, blanc dans le contre-jour. Mais imaginons là, je veux encore une fois des détails. Donc là, tu vois, si j'expose, je peux y ré réussir à en choper. Et, et c'est dur, mais bon, cet effet-là d'œil blanc, ça servirait presque à rien parce que ne le verrait pas, tu vois. Parce que sinon, euh, ouais. euh, ça n'a ça pas, ouais. okay. pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça ne serait pas logique. À part si les yeux font de la lumière, et pourquoi pas... je Oui, oui, bien sûr, bien ouais. sûr, bien sûr. <laughs> mais euh, mais c'est juste pour te montrer l'exposition. Et regarde-moi si je vais dans mon stock shot de base, mon rush, pardon, je dis tout le temps stock shot. Bon, déjà, voilà, tu vois. Là, je peux totalement... Euh, okay. J'ai des infos, j'ai du tracking, j'ai beaucoup. Et si j'expose, tu vois, mes yeux, ils restent toujours bien. Et, et il faut bien exposer sa vidéo pour faire du tracking. Et là, vraiment, j'ai de quoi m'attacher. Et en fait, pour mes yeux rouges, j'ai tout simplement pris euh, Moka et j'ai fait un tracking là-dedans. Maintenant, je vais essayer d'aller dans Moka maintenant et de faire un tracking sur ton rush. <laughs> tu vas voir. En fait, je pense que comme la compression est toute pétée, aussi, est est je, comprends, ben, euh, je comprends ta douleur. Ben surtout qu'en fait, euh, quand on fait du tracking aussi... Et c'est très important de ne pas avoir énormément de compression et de grains parce que bah, lui, il se rattache ouais. aux pixels. Donc, si ces pixels, ils vibrent et ils font n'importe quoi, lui, il va interpréter ça comme des mouvements parasites et il, le tracking va être impossible, tu vois. Mais Donc, du coup, euh... alors, une question pour, pour, par exemple, ceux qui n'ont pas forcément un matos de folie. Euh, c'est possible quand même de faire des trucs euh, au téléphone de Franchement, c'est possible. Hein. C'est largement possible. Mais du coup, Mais, pas euh... Euh, en contre-jour avec des iso. Il faut que ça soit en pleine journée euh... Ouais, voilà, et c'est vrai que moi je ne m'aventurerai pas à faire des FX euh, lors d'un sunset comme ça, ou alors, encore une fois, une petite lumière pour déboucher le visage, une petite rim light, quelque chose pour, euh, pour avoir des infos auxquelles se rattacher. C'est ça le plus important, c'est avoir okay. des informations pour s'accrocher quelque part. Okay. Donc, euh, donc, ouais, ça, donc ça manque ici, et là on va essayer quand même de faire un tracking, tu vois, on va quand même essayer. Et pour essayer d'avoir le maximum d'infos, on peut essayer de rajouter un effet d'exposition. Encore, heureusement qu'on arrive à avoir une légère dynamique euh, au niveau ouais. des couleurs, tu vois. Par contre, vraiment, les, les rushs, ils sont pas euh, crado comme ça. Ouais, ben là, ouais. tu vois, ben, ouais. la compression MPEG, comme je te l'ai dit, c'est terrible. Ça aurait été mieux, limite du H264, <laughs> tu vois. <laughs> okay. Donc là, hop, on prend le rush, exposé, j'en prends une précompte comme ça, l'effet le, d'exposition est bien dans le truc. Et je vais aller dans animation et tracking Boris, euh, Boris FX Mocha. Donc c'est directement dans... dans euh, euh, After Effects, mais moi, je vais utiliser Moca Pro parce que j'ai Moca Pro. Euh, chimique Prod qui dit, est-ce que tu as utilisé Lockdown sur ton rush euh, cyberpunk pour ton visage Exactement, j'ai utilisé Lockdown. Pour les personnes qui ne connaissent pas Lockdown, Lockdown, euh, c'est un effet euh, qui va traquer euh, des objets, des visages, ainsi que leur déformation. Ça veut dire que si je fais des expressions avec mon visage, Lockdown va comprendre la torsion de ma peau pour déformer les géométries. Donc là, dans mon, euh, dans mon shot cyberpunk, je tourne la tête comme ça et ben lui, il arrive à comprendre comment mon visage tourne et va déformer ben, mes espèces de lignes robotiques euh, pour euh, faire un effet cool. Trop bien. Et tes lignes robotiques, t'as même pas ouais. essayé de faire une ligne avant ou t'as vraiment tout fait euh... Ouais, j'ai tout fait en prod, en post prod comme ça. Au moins, si je me fais une ligne sur la gueule et que je me dis après, ah, j'aime pas. Alors, il va falloir que je l'efface. Euh, il va falloir que je repasse par-dessus. Que au moins, si j'ai rien, je sais qu'avec le lockdown. J'ai assez de dynamique pour, pour faire okay. ça. Euh, donc, maintenant, imaginons, je veux traquer mes yeux. Donc, euh, je croise les doigts pour que ça marche un minimum. Mais en, en, en exposant <laughs> un petit okay. peu, il y a moyen de pouvoir. Voilà, tu vois. Là, il arrive quand ah. même à faire un tracking. Mais parce que j'ai rajouté l'effet d'exposition. De si ouais. je ne rajoute pas l'effet d'exposition, de oui, oui, c'est mort. Ma... Ouais. Mais là, heureusement, tu vois, ton fichier, il est compressé, il est affreux. Mais, euh, mais on peut <laughs> augmenter l'exposition euh, pour jouer avec quand même donc ça va il n'est pas complètement foutu non plus bon en même temps quelque part j'ai un fichier affreux mais tout le monde n'a pas euh, un, une caméra à 3000 euros donc euh, ah, mais, je trouve mais ça cool clair. de montrer un truc qui est accessible à tout le monde plutôt que euh, regarder ce que j'ai filmé avec mon appareil photo euh, que j'ai mis dessous de 3 ans de bien pour sûr acheter, quoi. Ouais. bien sûr bien sûr mais le truc c'est que même si tu as mais parce que coup, là oui. cette le A73 est quand même très bien, tu vois, c'est un très bon appareil et tout. Ah c'est juste rien, ouais. le, 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 comment on appelle ça, le contexte d'éclairage où tu étais n'est pas propice à, à faire ce que j'allais faire moi, tu vois. Ok, donc par exemple, toi, tu serais allé tourner en pleine journée ou vraiment t'aurais pas ouais. tenté le. Ouais, je, Ouais. Ou alors j'ai un éclairage sur ma gueule, tu vois. Mais okay. euh, moi, je m'arrange à avoir toujours des percées de lumière ou, euh, ou quelque chose comme ça. Pareil pour les effets spéciaux, quand on fait de la 3D, de l'incrustation 3D. Euh, moi, je sais que quand j'ai des, co des, euh, des courts-métrages à faire ou des effets, s'il fait nuageux, je vais kiffer pour bosser ensuite parce qu'il n'y a pas une lumière directe du soleil. Il n'y a bien. pas les ombres. Voilà, il euh, n'y a, a pas d'ombre, tu vois, portée. C'est vraiment juste du, de l'ambiance occlusion, on appelle. C'est vraiment les ombres de contact, tu vois. Ouais. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, euh, okay. le temps est très important quand on tourne, quoi. Donc euh, imaginons que je crée un solide, on va l'appeler euh, œil brillant. Et euh, sur mon rush ici, je vais pouvoir faire un petit masque qui fait le contour de l'œil. Je le fais rapidement bien sûr, mais... Voilà. Du coup, euh... non oui. mais du coup, il y a... Si tu veux cette ambiance euh, lever de soleil ou coucher de soleil et tout, tu, tu fais comment On appelle ça des techniciens et, et du coup, il y a des personnes qui viennent avec des éclairages, des, okay. euh, des parce que même si dans un film on croit qu'ils sont sur la plage, qu'ils sont en, tous les deux en train de regarder euh, l'océan, en train de dire ah il est beau ce coucher de soleil, tu as au moins trois ou quatre lumières dans la scène et tu t'en rends même pas compte. C'est okay. ça qui est fou avec euh, avec les euh... Les, euh, merde, je ne me rappelle plus leur métier, leur nom de métier, comment ils s'appellent Le euh... bah, directeur de la photo. Les... Ouais, les directeurs de la photo, le directeur de la photo, mais je sais qu'il y a un autre gars qui, lui, est le technicien, mais je ne me rappelle plus comment, comment il s'appelle. Enfin, et, et du coup, bah, ce, ce type-là, bah, c'est lui qui va essayer, avec ses lumières qui sont artificielles, de donner un look réaliste. Quoi. Donc, il okay. euh, y, y, y a des magiciens de la lumière sur les tournages, c'est incroyable. Et, euh, et voilà. Donc, euh, là, en fait, je vais essayer de faire donc, cet effet d'œil qui brille. Alors, pour ça, je vais créer un nouveau objet nul. Un objet nul, c'est euh, juste, bah, comme on l'a dit, un objet qui est euh, nul. Il euh, n'y a rien. A... C'est juste quelque chose auquel on va pouvoir se raccrocher ou euh, donner des informations. Donc là, par exemple, je vais prendre mon tracking et je vais créer une data de tracking de mon layer que je viens de traquer et je vais faire une position dans la transforme et je vais dire qu'il va exporter sur mon nul. J'applique. Et maintenant, mon nul, il bouge en fonction de mon œil. Ok. Et maintenant, j'ai juste à prendre mon œil brillant, le link à mon nul. Et maintenant j'ai ça. Donc maintenant, je peux enlever mon effet d'exposition ici parce qu'on ne veut plus faire de tracking. Bon, voilà. Euh, et du coup, euh, je peux changer la couleur de mon layer rapidement. Donc là, ça sera un effet très euh, pas stylisé, mais un petit peu quand même. Parce qu'avoir un œil comme ça brillant, euh, c'est pas possible. Mais du coup, je vais faire un, un précompte de mon nul et de mon œil brillant. J'appelle ça œil brillant. Alors, Joël et Franck disent le chef-op. Ouais, carrément. Ah, le chef-op, voilà. Ouais. j'avais oublié. Et Merci, François parle up. de la nuit américaine. Ça, carrément. Ouais, la nuit américaine. C'est vrai que ben, là, oui. typiquement, une nuit américaine, là, on aurait pu le faire en rajoutant, par exemple, euh, rapidement, vraiment, ça, c'est pas réellement comme ça qu'il faut faire, mais vraiment, le plus simplement, on prend une color correction et on prend un effet qui s'appelle Triton, ou en français, c'est Triton aussi je crois en fait et on peut rajouter par exemple ici dans les mi-tonnes un, euh, un bleu foncé et en fait c'est un effet de fausse nuit et après on, on peut régler c'est juste vraiment un voile euh, de couleur quoi et le ouais. bleu on peut lui donner un effet plus c'est un peu euh, ben, c'est exactement ce qui se passe dans le film OSS 117 avec Jean Dujardin où il court dans la nuit comme ça là dans... <laughs> ben ça c'est une nuit américaine du coup c'est euh, pas vraiment la nuit, il euh, y a des ombres et tout, c'est débile. Ouais, c'est <laughs> le style qu'il y avait avant. Quoi. Euh, donc voilà, et maintenant je peux rajouter un effet comme Deep Glow qui est un effet euh, qui rajoute de la lueur. Et, euh, et voilà, je peux avoir mon effet de, de lueur en le mettant en mode screen. Et pour ah, donner drôle. un effet, ah, c'est marrant. Et après, je peux donner un autre effet cool. Je peux faire une copie de mon œil brillant, lui attribuer un effet de Fast Box Blur, ça veut dire que c'est du flou. Et en gros, celui d'en dessous, je peux le mettre en luma euh, mat. Ça veut dire qu'il va apparaître qu'aux endroits où il y a de la lumière sur, sur celui-là. Et en gros, je peux lui faire faire un petit dégradé. Comme si sur les côtés, il était moins brillant. Et au milieu, oui. Et du coup, maintenant, si je reviens dans mon œil bleu et que je rajoute un level juste avant mon glow dans les alphas. Je peux, tu vois. Ah, c'est trop marrant! C'est marrant. Et là, on peut du coup donner un effet comme cool. si, je sais pas, c'était un peu arrondi. Et, et voilà. donc C'est comme ah, ça que j'aurais fait ce théorie. Euh, ça fait la mal, quand même. Hein <laughs> C'est trop tard. Ah, franchement, avec une petite couleur ou quoi, ça peut donner un effet sci-fi. <laughs> C'est marrant. Il y a une chimique prod qui dit, fais-lui cracher un rayon de sa bouche, ce sera plus simple. <laughs> Carrément, ouais. Ce <laughs> 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 euh, sera pas vraiment plus simple. Enfin, si tu peux le faire, mais bon. <laughs> Ça aurait, été, euh, ça aurait été marrant. Je crois que... Je crois que... Est -ce que comment tu arrives à jauger ouais. la subtilité d'un VFX Tu vois, en fait, je trouve ça marrant, mais je pense que c'est hyper rapide de tomber dans le... Dans le le Ouais, dans le truc trop. Ouais. Est-ce que tu l'assumes ou est-ce que tu essayes de faire en sorte que ça soit cohérent Eh bien, en fait, euh, ça, je pense que ça se fait aussi avec la pratique, mais... Euh... Si tu voyais les, les premiers trucs que je sortais, genre en fait, mais ben, j'étais mauvais, j'étais jeune, euh, j'étais vraiment débutant, donc forcément je débute. Et en fait, moi, mon cache-misère, j'appelle ça les caches-misères. Je vais vous expliquer mes caches-misères quand j'étais gamin, en fait. J'avais oui. le syndrome Gigi Abrams. Ça veut dire que je foutais des lens flare. partout oui, ça... mais ça, il y a eu la mode, là, c'était il y a 10 ans. Mais bien problème. sûr. Eh ben, ouais. C'était exactement non, bien, il y a ils 10 ont ans. Tu avais un petit optical flare, tu avais déjà joué avec. Mais bien sûr. Et du coup, ben, voilà, je foutais des gros lens flare qui camouflaient tout. Dès qu'il y avait une zone un peu brillante dans mon image, je mettais un sale lens flare qui prenait toute l'image. <laughs> Et, euh, et du coup ben ça, ça faisait genre ouais c'est fait exprès c'est trop stylé prouf, Gigi Abrams mais, euh, mais voilà c'était vraiment pour faire genre que, que c'est beau alors que non en fait c'est cache misère et après un second cache misère euh, que j'utilise souvent euh, c'est quand par exemple je fais euh, j'oublie en fait ça c'est très important c'est dans les effets spéciaux euh, quand on tourne avec un objectif qui est stabilisé ou un boîtier qui peut stabiliser de la vidéo ouais. c'est très important de désactiver parce que lui automatiquement il va te faire un peu comme un comme stabilisation dans After Effects, ça veut dire qu'il va essayer de, de compenser les mouvements via des déformations comme ça. Et en gros, euh, quand on va faire notre tracking et tout, bah, lui, il va pas réussir à comprendre comment, euh, comment se comporte l'image, comment la caméra bouge dans l'espace. Donc, c'est très important de, euh, de désactiver la stabilisation d'optique quand on tourne. Euh... Ah mais c'est fou ça Tu vois, j'ai jamais entendu ça avant. C'est parce... Ouais, ben... carrément. Trop bien. En ah, fait, ben, par... coup, si euh... tu filmes. Juste, euh, genre, euh, tu veux faire une vidéo hyper stylée pour un client, tu l'actives. Mm -hmm. Mais si, bon, tout le temps, toi, tu le désactives tout le temps Moi, dès que j'ai des FX dans mon plan, je le, je le désactive tout le temps. Et dès que okay. c'est des choses, euh, bah, mes first YouTube, mes autres trucs, c'est ouais. tant que j'ai pas besoin de faire de la 3D dessus, okay. je le désactive. Mais, euh, mais ouais. Et, et du coup, en fait, quand je, je fais ben, quand j'oublie de faire ça, ça arrive rarement, mais quand j'oublie. <laughs> que je suis tête en l'air, et ben bah, du coup euh, moi après euh, je, euh, je je comme mon tracking est mauvais que mon ma géométrie bouge, elle fait fait des trucs bizarres. Ce que je fais c'est que je rajoute des effets euh, style de de bokeh comme si en fait euh, comme si en fait je faisais une mise au point une fausse mise au point de mon stock et en gros, je fais genre, oh là là, ça bug. Mais en fait, c'est pour camoufler le fait que c'est trop moche. Et okay. du coup, je fais des petits... Donc en gros, à l'avenir, dans mes réalisations, si vous voyez des, des racks focus comme ça, c'est pour camoufler des trucs affreux. Ça, c'est mon petit... Okay. Euh, mon petit... Euh, mon petit... Tips. Ah, <laughs> Donc, c'est n'est pas dingue. Hein. Donc, euh, d'habitude, si, si en prod ou n'importe quoi, quand on est professionnel, on se rate, on retourne. Hein. On retourne, on ne fait pas de... Ah non, le truc, il n'est pas bon, je vais flouter, j'ai rajouté des glitches. Bah, un exemple parfait, si ça on va sur... Drôle. Ah, c'est rigolo. Euh, si on va sur Instagram, je vais vous montrer vite fait un petit truc à moi euh, où je m'étais raté. Euh, ça c'est mon Instagram pour les personnes qui ne connaissent pas. Voilà, je poste plein de trucs. Et il y a un plan. Euh, C'était celui-là. Vous allez voir qu'il y a du flou et des glitches parce que euh, je m'étais raté. Euh, donc vous allez voir. Donc c'est un plan. Oui, voilà. C'était un truc pour Huawei euh, pour présenter leur leur téléphone. Et en gros là, j'ai un objectif. Ah oui, sans doute. Bah, du coup, c'était un objectif très grand angle. Et du coup, quand on stabilise un objectif sur du très grand angle, ça déforme. Là, vous allez voir, regardez. Il y a la lune qui va arriver et ça va être flou, il y aura des glitches. J'ai même rajouté des glitches sur l'image parce que c'était trop moche. Donc okay. là, ouais, même des faux zoom. Les faux zoom comme ça, ça marche super bien. Voilà, ah, tac, tac, tu vois. Et si tu regardes bien la lune, elle est dégueulasse. Le tracking, il ne marche pas. Mais bon, il y a le Covid, j'ai dû appeler un pote, je ne pouvais pas retourner. C'était euh, la merde. Donc en fait, j'ai rajouté euh, du postiche comme ça par-dessus et euh, le client a fait... Oh, c'est trop bien, franchement, c'est fou. Et moi j'étais ouais, en mode ah bon bien. Ah ben je suis content que vous trouviez ça fou. <laughs> Alors c'est du cool. cash misère dire... C'est trop bien. Merci <laughs> de partager ces histoires là parce que ça rend le truc vachement plus euh... ben, en fait, je trouve que du coup les erreurs, ça pousse la créativité à mort. Oui, bah ben ouais, ouais, carrément, c'est vrai part. parce qu'on essaie de rebondir. Carrément. Tu vois, Donc, et euh... du coup je trouve ça marrant quelque part, euh, c'est genre bon, j'ai foiré mon truc, euh, comment je fais quoi Là, j'ai de la chance, c'est <laughs> pas un client mais au final euh... Oui, bon, bah, je suis sûr qu'on aurait pu s'en sortir, quoi. Oui, carrément, carrément. <laughs> mais, euh, mais ouais, c'est marrant, marrant de, 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 de voir les erreurs et comment on les corrige, parce que parfois, tu vois. Il y a ah Joël bah, qui dit, et le RSMB est pour camoufler les rotaux foireuses Tu fais ça Mais bien sûr que je fais ça. C'est quoi, RSMB Alors, RSMB, euh, c'est un plugin qui analyse euh, les, les pixels. Tu vois, je vais le rajouter, par exemple, ici. Et lui, va bah, analyser le déplacement des pixels pour… Faire une sorte de calcul équation où il va essayer de générer du motion blur, du flou de mouvement. Donc là, euh, imaginons, tu la personne bouge. Donc là, imaginons, euh, je sais pas. ouais, par exemple, ici là, tu vois, il bouge ses doigts. Et bien, sans RSMB, il n'y a pas de flou de mouvement. Et avec RSMB, il y en a. Okay. Et en gros, je vais pouvoir mettre une valeur euh, extrême, mais pour te rendre compte de ce que ça fait. Mais voilà, ça me permet de faker. Euh, le mouvement de caméra. Donc, euh, ça, en général, pareil, important. Quand on tourne des vidéos pour la semaine prochaine, si tu me refais d'autres plans. Ah oui, oui, oui. Euh, pour la vitesse d'obturation, tu vois, la vitesse d'obturation, euh, c'est très important en effet visuel d'avoir au moins un, un centième en vitesse d'obturation, parce que sinon, okay. il va trop y avoir de flou de mouvement, et ça sera, pareil, plus tracable. Donc, en fait, la valeur cinéma, normalement, c'est 1,50. Ouais, en général, quand on, quand on adapte ces FPS en vidéo, c'est le double de... de euh, de son frame non quand on quand on, alors attends quand on tourne en images par seconde par exemple de 24, voilà c'est la vitesse c'est le double c'est le double de ton frame rate ouais. voilà donc ça devrait être 50. donc la valeur cinéma, en général c'est 50. mais euh, mais quand il y a des effets spéciaux en fonction du temps pareil s'il lumineux ou pas voilà j'essaye de tourner à 100, 150. Okay. et plus, plus c'est haut mieux c'est parce qu'il y a moins de flou de mouvement et après par dessus tu peux rajouter euh, du RSMB pour rajouter du euh, du motion blur et à l'inverse oui, du coup ça rajoute de la netteté on peut le voir mais c'est moche ouais la netteté c'est moche tout de suite le contour ouais. de, autour truc ouais le truc mais il faut le jauger mais je pense que ça peut être pas mal et ouais. je sais qu'After Effect a un effet d'ailleurs euh, de base dedans qui permet de directement enlever le motion blur et ça c'est cool trop bien écoute c'est super intéressant je savais pas du tout moi j'ai tout filmé en 1 50 e ou en 1 250 quand j'ai filmé en 120 donc, euh, écoute, okay. je l'ajoute à la liste de mes multiples <laughs> erreurs. Bon, comme quoi il faut pratiquer, en fait, euh, t'as beau euh, essayer d'apprendre tout ce que tu veux, c'est vraiment euh, l'expérience ouais. qui fait que tu te gourres et que tu apprends. Carrément, ouais, bah, maintenant je sais que, je sais. Euh, euh, maintenant, limite, en sortant d'un tournage, si on est dans le rush ou quoi, et que je rentre sur mon PC, je sais déjà que ça va être de la merde. Genre, euh, je m'assois, <laughs> je fais, bon, on a fait ça, on a fait ça, ça va être dur, là. C'est comme mon fond vert de cyberpunk franchement je pourrais vous montrer vous... ça vous intéresse peut-être que je vous montre mais mon cyberpunk ouais, euh, ouais, parce mais que là veux... en vrai pour repasser sur les autres rushs euh, ça va être un peu pas les mêmes choses tu vois donc euh... ouais, ouais je pense que là on a pris plein de trucs déjà alors attends je regarde un petit peu les, mm -hmm. les messages euh, oui Arnaud qui dit on est tous passés par la par la case <laughs> optical Flare. oui bien euh... sûr ouais Jimmy qui dit excellent en plus c'est dégueu quand on fait trop mais il fait la mm -hmm. même chose avec le glitch le glitch. Pardon. <rire> <rire> donc, excellent tous les tous tes tips pour sauver des pour sauver des trucs. Euh, Story qui demande mm -hmm. oui montre nous euh, ton ton making ouais. of de cyberpunk. De okay. Allez donc on va faire ça. Ben je vais vous montrer le making of du premier plan du coup. Euh, donc j'ai fait un rendu 3 D euh, dans cinéma 4 D du coup d'une rue cyberpunk, donc le résultat n'est absolument pas réaliste, euh, c'est compliqué d'avoir un résultat très très réaliste surtout que ben, moi j'ai des délais très courts avec Youtube donc je dois tout réaliser en un ou deux jours donc c'est chaud euh, parce qu'il faut faire le rendu et tout, donc voilà c'est juste une caméra qui bouge parce que j'ai fait mon tracking donc euh, sur mon plan de base, après je me suis rotoscopé par dessus alors les scènes sont très enfin lourdes, non, et sont en 4K c'est quoi les trucs euh, qui foirent sur un fond vert le plus souvent tu vois alors sur un fond vert, ben, là on va regarder par exemple mon plan de base alors je vais Enlever ça, je vais enlever tout ça. Mais voilà, donc là j'ai mon fond vert. Donc là, qu'est-ce qui est déjà foire Alors, euh, par exemple ici. Parce que moi euh, ce... je le vois, il ouais. a l'air tout clean et tout lisse, tu vois. Ouais ouais, c'est clair qu'il a l'air tout lisse et tout ça, mais mmh. le problème c'est que entre cette teinte de vert ici et cette teinte de vert là, ouais, ok. C'est plus la même. Donc euh, en fait, euh, déjà on a la chance d'avoir, euh, que j'ai un fond vert qui s'appelle le Elgato. C'est une marque en fait où le fond vert se déroule comme ça en fait c'est une manivelle et il se déroule donc le fond vert est parfait je veux dire il n'y a pas de petit ouais, petits mais... plis ou quoi il n'y a mais il est... Est pas plein de trucs là c'est pas un vieux drap euh, qui t'a mal repassé qui est derrière Tant est tu tends comme tu peux là on a on a tous vécu ça aussi hein. ouais, ouais c'est clair <laughs> C'est clair, mais euh, mais du coup donc c'est bien, il n'y a pas de petits trucs. Après le fond vert et le gâteau, dans le cinéma il y a un vert spécial de fond vert, vraiment il a une tonalité spéciale, c'est une couleur euh, voilà. Et celui-là il ne l'a pas, il tire un peu plus vers les euh, vers les chauds, donc un peu plus, euh, il est un peu plus vert chaud. Il a, oui il a, ouais, il a un petit peu plus jaune. Enfin, je sais ouais. c'est mais... euh, ça, non mais c'est à peu près ça. Hein. Et, euh, et du coup après on peut utiliser des plugins comme par exemple. Euh, comme par exemple euh, des plugins des effets comme par exemple Keylight Light dans After Effects qui va nous permettre de, avec la petite pipette sélectionner l'endroit où j'ai mon fond vert j'ai attribué sur le mauvais layer ici Joël dit le premier truc que tu peux foirer c'est les gens qui portent du vert Frèrement. en, effet. <rire> en <rire> effet et encore je vais vous montrer un petit plugin après qui permet de faire la différence entre deux verts très proches et ça c'est fou euh, et du je coup Keylight, Keylight est un plugin du coup pas direct, enfin un plugin, un effet directement dans After Effects et je vais pouvoir après avec mon screen mat essayer de jouer avec les teintes de blanc et de noir pour eh bien, isoler réellement mon personnage. Et là on peut voir que on a les mêmes artefacts un peu que toi tout à l'heure, c'est que là c'est un peu sombre. Euh, la vidéo elle devait être un peu, elle devait avoir du grain. Donc là on commence à voir eh bien, tous ces petits blocs ouais. de pixels. Et ça, ça veut dire que la caméra elle commence à grainer ici, on peut le voir. Ouais, C'est pas fou. le bitrate aussi est pas fou, donc voilà. Donc ça, ça avec Keylight. Mais après, il y a un petit plugin qui s'appelle Composite Brush, qui nous permet vraiment avec quelques clics de vraiment enlever une personne très rapidement et de faire la séparation entre deux verres différents. Et on peut même isoler une personne qui est sur un fond, par exemple vert, euh, vert, bleu, rouge, des couleurs plutôt vives, mais pas que du bleu, donc il arrive à faire des distances très cool euh, entre les couleurs. Donc voilà. Euh, ensuite, on rajoute un advanced spill sur qui est directement dans After Effects. En fait, c'est quoi ça? Euh, imaginons on est devant un fond vert, et eh ben les rebonds de lumière vont faire rebondir du vert sur nous, euh, au contour et tout ça. Et en gros, le Advanced Spill sur c'est exactement ça. Il va enlever toutes ces petites teintes vertes parasites qu'il y a un peu partout. Ah, c'est cool. ouais. Ouais, plutôt pratique. Et euh, du coup, après, c'est des effets, mais ça, on s'en fout. C'est pour convertir de log à 709. Et euh, par contre, au cinéma, on, uti on utilise, euh, on fait pas du keying, euh, du key le keying, c'est enlever du fond vert. Donc, on n'utilise pas un king pour tout, tout notre personnage, en fait. On utilise, on fait des masques comme ce que j'ai fait. Donc là, je fais la tête. Donc, j'aurais un king spécial pour les réglages de mes cheveux et tout, déjà qui sont pas ouf, mais j'ai fait de mon mieux. Mais le, le fond de base, déjà, c'était dégueulasse, donc j'ai fait de mon mieux. Putain, tu pas ça, un maquilleur, un coiffeur, un assistant, ah, euh, quelqu'un ah, pour faire du vent, euh, <laughs> tenir la bouteille d'eau et tout. Je suis déçue. Ah, ça, ça aurait été fou. Quand j'aurais une équipe, j'aurais ça. J'aurais un gars que je paierais 1000 balles par mois juste pour qu'il tienne un sèche-cheveux et me souffler comme ça euh, pour donner <laughs> ses effets un peu de. C'est ça, ouais. Je suis le souffleur d'atom. Et, euh, et du coup, euh, après, j'ai fait une deuxième patate, donc c'est une rotoscopie, euh, que du corps. Et là, j'ai fait un king, que du corps. Euh, donc voilà, j'ai séparé, en fait, les deux. Donc je prends mon king du corps, parce qu'il y a certains réglages qui marchent mieux avec la partie du corps, et il y a certains réglages qui marchent mieux avec la partie des cheveux. Donc j'ai fait ma roto. Et ensuite, dans ma scène, dans ma scène 3D, ici, j'ai une pancarte, tu vois, qui me passe devant. Mais c'est ah, de la 3D alors pour feinter le fait que tu n'avais pas de corps en dessous. Et voilà. Et c'est trop c'est en fait, hyper ouais. créatif en fait. <laughs> bah, du coup, ouais, c'est cheaté encore le fait que bah, je dépasse du fond vert. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, bah, pareil, la vidéo est sous-exposée. Il aurait fallu, tu vois, que comme avec ton plan de base, je fasse, je sois minutieux, que je fasse la rotoscopie à la main et je suis fainéant. Merci le rotobrush d'After Effect. Euh, je suis devenu encore plus fainéant maintenant. C'est trop cool. Et, euh, et du coup, je euh, <laughs> n'avais pas envie de faire des masques et tout. Euh, donc j'ai euh, camouflé avec un élément que j'ai mis en 3D devant, une pancarte. Et comme c'est très contrasté, on voit rien. Mais ça camoufle. Et du coup, je dois quand même faire passer euh, cet objet devant moi. Parce que du coup, là, si je mets juste ma rotoscopie devant, je passe devant mon objet qui est 3D. Tu vois donc il faut que j'arrive à isoler ce qui est devant dans la okay. 3D. Et, et pour faire ça, en fait, dans ma 3D, j'ai exporté ce qu'on appelle une passe euh, d'object ID. Ça veut dire que je vais attribuer une couleur. À un certain objet et une autre couleur à tout, toute ma scène. Et en gros, je vais pouvoir, grâce au King, en gros, c'est la même technique, tu vois, c'est vert, euh, à extraire que cet élément-là. Et ensuite, je passe Maroto euh, en mode alpha inversé de mon King, ici. Alors, paluma alpha, je crois, alpha inversé. Et du coup... Ça, ma 3D va apparaître, enfin ma rotoscopie va apparaître, alors je vais faire apparaître l'alpha, qu'aux endroits où il euh, n'y a, okay. euh, a, a pas mon objet. Ouais. Donc s'il y a mon objet, je vais avoir ce truc creux ici. Donc okay, euh, voilà. sorry qui dit, elle sort ce soir la vidéo cyberpunk, non, il faut que je tourne encore mon facecam euh, et que le sound design soit fait par une personne. Donc non, ça sortira demain. Euh, mais du coup, voilà, donc j'ai ma rotoscopie. Et donc, autoscopie passe bien derrière ma pancarte. Et encore, c'est pas parfait. Hein. On peut le voir ici. J'aurais plus, j'aurais pu plus travailler ça. Mais encore une fois, je dois sortir ma vidéo demain et j'ai euh, tourné ma vidéo que hier ou avant-hier. Donc c'était, tu vois, ouais, c'est des trucs productions très très courts. Très très courts, voilà. Euh, ensuite, je vais rajouter une passe qu'on appelle la passe de post process euh, C'est juste un petit glow ambiant. Ensuite, je vais rajouter un peu de fumée au fond, tu vois, pour que ce soit plus vivant, parce que j'ai pas fait d'animation ni rien, encore une fois, pas le temps. Donc, pour créer de la vie, j'importe en fait euh, des stock shots de fumée, tu vois, c'est juste des, ouais. voilà, que je mets dans mon plan, et en fait, je le mets dans mon plan et After Effects. Donc, j'ai fait mon tracking avec After Effects. Donc, j'ai une caméra 3D et j'ai juste à le placer un peu où je veux dans ma scène. Et en fait, pour ah, le bon. faire apparaître où je veux dans ma scène, j'ai exporté encore une fois en 3D une passe qu'on appelle une passe de Z-depth. C'est une passe de profondeur, ça se, ça se présente comme ça. Euh, du coup, c une... en fait, de là où est ma caméra, euh, ma caméra, au centre de ma caméra, on va envoyer un rayon ou un plan géant. Et en fait, ce rayon ou ce plan géant, il va rentrer en contact avec tous mes objets dans ma scène 3D. Et plus ils sont loin, plus il va mettre une valeur de gris euh, très clair jusqu'au blanc. Et en gros, tout ce qui est tout devant va être noir et tout ce qui est derrière va être blanc. Et c'est grâce à ça que, comme dit Joël, euh, je... la DoF, je la fais comment ben, Du coup, je la fais grâce à cette passe de Z. C'est quoi parce le dof que ça fond. DoF, c'est le depth of field, la profondeur okay. de champ. Okay. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, c'est grâce à ça que j'ai pu faire mon flou. Mais c'est aussi en rajoutant ma silhouette avec une valeur de gris qui se trouve à peu près à la même valeur de plan qu'il y a ici, que j'ai pu, euh, par exemple, que moi, je reste net, mais mon fond soit flou. Donc, je cheat un peu comme ça. Euh, Mazidep. Donc c'est un peu compliqué. Peut-être que pour les personnes qui ne font pas de 3D, c'est un, euh, un peu le bordel. Euh... Euh, faut... Bonjour à Franck qui nous regarde. Qui est... <laughs> je crois que Pauline mmh. cherche à se faire embaucher sur les tournages d'atomes. Alors je te crois je suis la pire assistante de la Terre. Je crois que j'ai fait une fois assistante et j'ai fait tomber le réflecteur sur le photographe. Incroyable. <laughs> Mais tu un truc dur avec des morceaux en métal. Tu vois, Il, il ah, a super, eu mal. Super. Il a eu mal et il est mort. Non, quand même pas. <rire> voilà, voilà. <rire> <laughs> mais, euh, mais du coup, voilà, et c'est ça qui est sympa avec cette technique de zidep parce que du coup, je peux l'utiliser pour faire apparaître ma smoke qu'à certains endroits. Donc, si j'isole le reste, mais que ma 3D pour que ça aille plus vite ici, si je fais euh, mon level de ma z-depth, donc je change ces paramètres de gris. Regarde comment ma fumée, je sais pas si on va le voir bien parce que du coup, c'est très elle change de densité, elle change de densité, mais aussi d'endroit. Tu vois, je peux la faire apparaître que okay. par exemple, derrière la maison, et là tout marrant. de suite. En bougeant les niveaux, hop, elle passe plus devant. Et si je bouge encore plus, tu vois, ça passe devant le poteau maintenant, tu vois. Oh, marrant. Donc, grâce à cette technique, je fou, peux mettre ma, ma fumée où je veux. Ouais, c'est une okay. très bonne technique, ça. vas est, euh... En fait, c'est super marrant de voir ça. Et euh... est-ce que tu est avais regardé les making-of de Blade Runner, le premier film Oui, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Les mecs était chaud. hein. Bah, ils ont fait exactement l'inverse. Ils ont fait la vraie maquette de la ville qu'ils ont mis ouais. dans un caisson sous pression pour mmh. pouvoir avoir la profondeur de champ atmosphérique de machin' ouais, de ouais, trucs à cool. la prise de vue donc euh, les mecs sont chauds quoi. Ah, ils sont très bons on pareil bien. Blade Runner euh, super intéressant comment ils ont fait bah, du coup les yeux qui brillent des robots euh, on ouais, voit dans ouais. certains plans qu'ils ont on euh... en parlait la semaine dernière on a reçu un invité, okay. euh, Nicolas Senegas qui est mmh. photographe et en fait qui a essayé de refaire la technique Blade Runner en fait c'est fait okay. à la prise de vue avec ouais. un miroir collé sur l'objectif en fait c'est l'effet yeux rouges, mmh. il balance de la lumière ouais. le la pupille c'est fou c'est super, ouais. c'est dingue. Sont <laughs> ils sont fous. Très... Ben, J'avais vu aussi un truc sur, euh, euh, je crois que c'était euh, l'Odyssée de l'espace. À un moment, ouais. ils, sont, euh, ils sont dans l'espace, il, il y a apparemment la pesanteur, et on voit un stylo qui flotte, et on voit l'acteur qui prend le stylo et qui s'en va. Tu vois. Et ouais. là, tu dis, mais attends, mais c'était il, il y a 30, 40 ans en limite. Oh, tu ben vois. Et, mais comment ils ont fait ben, En fait, ils ont scotché un stylo sur un gros plexiglas très propre, et en fait, juste a une personne qui prenait le plexiglas qui le faisait tourner, Mais et est à l'acteur qui fait hop et qui le décroche de la vitre. C'est fou. fou de voir ça. ça. ça c'est super bien. Ah ouais. mmh. Donc, des fois, euh, un peu de créativité, bah, voilà. Ouais, ouais, ouais ça, ça, ça fait, fait, fait le taf ah, si non, on n'a pas la technique. Ça fait le Carrément. c'est les idées. C'est exactement ça. Euh, voilà. Du coup, ensuite j'ai rajouté de l'atmosphérique la f... aussi avec un plugin que je, je n'ai pas le droit de vous montrer, malheureusement il n'est pas encore sorti, mais. Oulala, là là, euh... il tease. <laughs> ah, je tease, je tease un petit peu, mais c'est un plugin très cool. Et après, du coup, j'ai rajouté un peu de flou et, euh... et voilà, le taf est fait. Donc ça, c'était pour ce plan-là. Rapidement, il nous reste que quelques minutes. Je vais vous montrer l'autre plan. Euh... Hop, close-up. Voilà, l'exemple du creative ouais. director pour Blade Runner, c'est. Peter et Sezani, je ne sais pas comment tu te prononces je suis tout de suite. Désolé. Ah, il nous partage le, le site, on ira voir. C'est trop cool. Quelle, euh, quelle culture. il dit le nom et tout. Joël dit c'était trop bien cette session. Eh ben bah, écoute, ah. merci. bah, bah c'est C'est cool, cool. <laughs> l'idée de Pauline. Hein. C'est pas, j'ai rien fait moi. C'est l'idée de Pauline. Eh <laughs> bien, je te posais plein de questions, je connais rien. <laughs> <'es> trop bien. <laughs> oh, bah, attends, tu gères trop. C'est trop bien. <laughs> Euh, mais du coup euh, ensuite là donc euh, encore une fois donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure j'ai fait un rendu 3D avec euh, donc ça c'est le rendu 3D de base sans rien sans compositing ni rien euh, donc c'est très moche mais après il faut que j'arrive à rendre ça beau euh, donc comme je l'ai expliqué c'est juste une caméra qui tourne avec une grosse focale et après ah, fuck on voit le plugin là bon euh, on voit le nom du plugin mais c'est pas grave euh, je montre pas juste comment il fonctionne mais juste voilà avec le plugin ça me permet de passer euh, de rajouter de la profondeur atmosphérique Basé sur la ZDEP et en fait c'est très bien d'intégrer avec les lights d'After Effect et quand je les bouge ça bouge aussi mes atmosphériques ici donc ça c'est très pratique euh, donc voilà euh, cool ensuite je vais rajouter euh, ma passe de post-processing ça veut dire tous les endroits qui font de la lumière j'ai rajouté une sorte de petit glow ambiant c'est intéressant euh, ensuite de la fumée pour que ça soit encore plus vivant et pas trop statique et ensuite un coup de flou parce que c'est derrière donc je rajoute un petit coup de flou comme s'il y avait la profondeur de champ encore une fois donc ça c'est juste le bac ensuite il y a moi rotoscopie atom donc euh, ici et ce qui est sympa sur ce plan-là du coup ouais c'est que dans alors c'est suggéré encore une fois j'avais pas le temps donc j'ai suggéré qu'il y avait euh, une voiture de flic qui me passait devant donc, euh, pour ça, on a juste pris une lumière, on l'a mis en mode flic, comme je l'ai expliqué, on la passe devant moi, et au lieu de faire la voiture en 3D et tout, juste avec un sound design et la lumière, on comprend qu'il y a une voiture de, de police, de patrouille qui, qui passe au-dessus de moi. Donc, ça, c'est pratique. Ensuite, comment j'ai fait du coup cette petite ligne qui passe autour du nez ne ne Donc, pour ça, en fait, j'ai fait un tracking avec le plugin qui s'appelle Lockdown. Comme je l'ai expliqué, c'est un plugin qui arrive à, à, à comprendre la déformation des choses. Et euh, en gros. Ça, me, ça va me créer, en fait, une map stabilisée de mon visage. Je vais vous montrer, c'est marrant. Voilà, c'est là. Est-ce que c'est comme les applications, du coup Comment Est-ce que c'est… Bah, tu sais, c'est leur spatiale. Ah, oui, oui. ce... euh, non, ça ne marche ah, non, pas pareil. Ça ne marche pas pareil, là. C'est à peu près le même système, mais d'une manière un peu différente quand même. Euh, mais en gros, euh, maintenant, en fait, Lockdown, ce qu'il fait, c'est que maintenant, il aplatit tout. Ouais, et mon visage bizarre. est stabilisé comme si c'était une sorte de masque qui était posé à plat, tu sais. Ouais. Et, euh, et maintenant, regarde, on dirait que, alors que je tourne ma tête, tu vois. Bon, au début, ça fait des trucs bizarres, mais c'est pas grave. C'est parce trop que. C'est marrant, en C'est C'est marrant. Hein et, euh, et du coup, voilà, donc, mon visage ne bouge pas. Et juste moi, après, avec un tracé, j'ai juste à tracer exactement ce que je veux et à quel endroit et ensuite euh, je reviens à ma comp voilà et j'ai attribué des effets de glow par exemple et, euh, et de compound blur en fait cet effet de compound blur est cool parce que ça me permet de rajouter du flou basé sur un autre layer et en et du coup ce, cet autre layer c'était ma peau euh, moi en fait la vidéo de base et avec des contrastes et tout bref c'est long. Euh, on peut donner cet effet d'épiderme comme si la lumière était sous mon épiderme. Ouais. Et avec un certain mode de fusion qui s'appelle Classic Color Dodge en anglais, où c'est densité couleur moins classique. Et ça donne cet effet vraiment comme si c'était la lumière en dessous de mon épiderme. Donc là, on peut voir sous mon nez, tu vois, par exemple, à certains endroits, ça devient flou. À d'autres, ça devient net. C'est en fonction réellement de mon image. Et là, on voit ma, mon King qui est tout pourri ici. C'est incroyable. Euh, mais voilà. Donc c'est comme ça que je l'ai fait. Et ensuite, pour donner un effet encore plus de relief. J'ai rajouté un effet sur ma vidéo de base, basé sur le layer que j'ai euh, créé des lignes, un effet qui s'appelle CC Glass, qui est directement dans After Effects, qui va créer euh, un relief. Alors, pourquoi on ne le voit pas là Non, on devrait le voir. C'est bizarre. Peut-être là. Non. Euh, je comprends pas pourquoi on ne voit pas cet effet. Ah, c'est peut-être là. Non. Là, je sais pas. Oui, c'est sans doute là. Donc si je masque ça, eh non, on le voit toujours pas. Hey, pourquoi tu ne marches pas mm -hmm. C'est très étrange. Mais tout à l'heure, ça marchait. Ah, ça m'énerve quand ça ne marche pas comme ça. Tu sais pas oui. d'où ça vient, t'es perdu. Euh... Alors, c'est le layer, lequel le 4. Donc le 4, je vais. 1, 2, 3, 4. Donc le 4, ça devrait être celui-là. Ouais, donc non, ça devrait être celui-là qui me sert de map de réflexion. Étrange. Bref, mais avec Cici Glass, je peux prendre un autre layer comme par exemple celui-ci ou, ou un autre. Et euh, ça me permet d'avoir cet effet un peu de relief. Comme tu sais, sur Photoshop, tu as un effet qui s'appelle euh, Bevel Bevel et Ambrose ou un truc comme ça. Ouais. Euh, voilà, biseautage. Et en ouais, gros, ouais, ça fait biseautage. un espèce de biseautage oui, ça basé creux, sur. Un... ouais ça me creuse un peu. C'est dommage, j'aurais voulu vous montrer. Réflexion de Franck qui me fait trop marrer. Je suis sûr que Pauline aurait fait ça au feutre fluo. Ou au scalpel, et Joël dit où elle aurait scotché des petits tubes fluo. Alors, <laughs> euh, vous ne croyez pas si bien dire. J'ai eu envie de faire ça à un moment, je crois, sur un danseur tout nu. Je voulais qu'il ait des lignes partout qui soient réfléchissantes, et en fait, j'ai acheté du scotch réfléchissant. Ça n'a jamais marché. Habile. Tu sais, du truc pour les panneaux sur le bord des routes, c'est hyper réfléchissant. En fait, le moindre flash que tu mets, ça crée un truc. Non, ouais. c'était un échec. <laughs> mais, euh, mais du coup, euh, après, pour finir, euh, j'ai euh, fait un tracking de mon œil, exactement comme ce que j'ai fait avec ton, euh, ton stock à toi, ta vidéo. Ouais. J'ai exactement fait la même chose et j'ai mis un effet de rouge un peu comme ça. Euh, et ensuite, j'ai tout composé ensemble, rajouté des adjustment layers, des color corrections, une petite black bar pour faire genre que j'ai euh, tourné en anamorphique alors que pas du tout. On la connaît cette technique, c'est erroné, mais... Mais voilà, parce qu'en fait, un fichier anamorphique, tu sais comment ça fonctionne un peu euh, non. OK. Mmh. Bah en fait, il y a certains objectifs, j'en ai un ici, j'ai montrer. ce sont des objectifs qui normalement coûtent une fortune. Quand on se le dit, ça coûte au moins euh, y en a 10 000 à 20 000 euros. Et en gros, il y en a, euh, c'est une marque qui s'appelle Siri qui vend ça euh, 400 ou 300 euros. Okay. Et en gros, un objectif anamorphique a une lentille un peu spéciale, c'est carré en fait ici. Et on peut voir ici, par exemple, au milieu, il y a une sorte de trait. Et en fait, tout ça, c'est parce que l'image va être compressée, euh, compressée vers la hauteur, comme ouais. ça. Et donc, notre image, qu'on va enregistrer, elle sera un peu déformée, un peu bizarre. Et en gros, euh, ensuite, il faut faire ce qu'on appelle euh, un disqueeze. Ça veut dire qu'on va redéformer notre image pour que toutes les, euh, toutes les euh, proportions soient normales, logiques. Et, euh, et c'est ce qu'on obtient, du coup, ces fameuses black bars. C'est à cause de la déformation de cette vidéo c'est le format euh, okay. panavision euh, donc c'est ce comme ça en fait pour un, je termine sur cette petite anecdote oui et après oui. c'est terminé parce qu'on a déjà dépassé mais en gros euh, dans les années euh, je sais plus je crois que c'était 60 70 60 il euh, y avait la télé qui arrivait et le cinéma avait peur avait peur ils se sont dit oh euh, là la télé elle va nous voler du du, biz, du business donc comment on fait On va faire quelque chose qui n'est visible qu'au cinéma et ils ont créé ce format Panavision. C'est un ah, format qui était ultra large euh, avec des black bars et, et ça permettait en fait de se dire waouh ouais, le champ est fou alors qu'avant c'était cathodique, c'était en 4 tiers là, c'était pas beau. Et au cinéma au moins c'est grâce à ça qu'on a eu ce ratio en fait super large de cinéma. Donc voilà, c'était la. qui bien. Est bien adapté à la vision humaine et à ce qu'on est tout euh, dans le champ quoi. En même temps, c'est cool. Ouais, exactement, c'est ça. Donc voilà. Eh ben écoutez, Et Franck dit, sur... ça te fait faire oh. des flairs trop beaux. Ah oui. <laughs> oui, ben oui, 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 c'est vrai que ça flaire d'une manière très spéciale. Ça fait ces fameuses lignes de Gigi Abrams qu'on a fait tout à l'heure sur le plan qui était euh, sur la euh, plage. Et Joël dit, la c'est une techno qui vient des périscopes, des sous-marins. Trop bien. Incroyable, incroyable. Il y a beaucoup de technologies qu'on utilise tous les jours qui viennent de la NASA ou ou des trucs comme ça. C'est fou quand même. Donc voilà, bah écoutez, c'est cool. euh, sur cette petite anecdote et ce dernier plan cyberpunk qu'on va terminer ce plan. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé euh, ce petit, cette petite session. Euh, c'était très ouais, cool d'échanger. bien marrant, ouais. je, te, je te remercie, c'était hyper cool. Euh, bah, je te remercie pas de aussi. Vous dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, on vous remet ça la semaine prochaine. Alors si vous avez mmh. des plans, peut-être à m'envoyer, des idées et tout, n'hésitez pas. Voilà. <rire> <rire> Carrément. Eh ben, c'était très bien. Je suis très content de ce petit challenge que tu m'as donné. Et j'attends la semaine prochaine de nouveaux plans. On va pouvoir encore une fois s'amuser dessus et essayer de découvrir de nouvelles choses. Euh, donc, j'ai Trop cool. Eh ben, j'espère oui. qu'en tout cas, ça vous a tous plu et que la présence de Pauline et de moi vous a, vous a ravi. Et on se retrouve du coup jeudi prochain pour la même session. On va essayer d'expérimenter de nouvelles choses. Et tous les jours, encore une fois, des lives sur la chaîne de Adop France. Donc, on se dit à la prochaine. Et merci à tous d'avoir suivi ce live pendant une heure. À bientôt, des bisous. À bientôt, salut. Salut.